première question, ce chapitre quadratics. Il se trouve la ligne, ce quadratique-là, et qu'un quadratique curve, ce n'est pas mid. Pour que tu solves simultaneously, tu ne peux pas supposer qu'il y a aucune solution. Alors, pour faire ça, nous pouvons solver simultaneously, nous avons une quadratique equation in terms of x. Nous avons des équations, pour moi, c'est y is equal to mx minus 3. Nous avons déjà une équation, c'est y is equal to 2x squared plus 5. Qui nous pouvons faire avec ça, des équations, nous pouvons solver ça simultaneously. Ok, nous solvons ça simultaneously. Ok, c'est une équation de dx squared plus 5 égale mx minus 3. De la next, vous pouvez trouver qui, si nous avons tout un terme à gauche, divine dx squared, retirer mx plus 5 plus 3, ça égale 0. De la next, vous pouvez trouver qui, nous allons simplifier encore un petit step, minus mx plus 8, ça égale 0. De là, vous trouvez où l'équation de sa format là, x squared plus bx plus c égale 0, ou quand extraque valeur a, b, c, valeur a, i2, valeur b, et négative m, et valeur c, 8. Alors, ou quadratic equation, quand vous solvez, vous ne pouvez pas supposer qu'il n'y a aucune réponse. Parce que vous pouvez solver simultaneously pour votre point of intersection, mais les états n'est pas mid. Et pour ne pas mid, nos quadratic equations se discriminent pour besoin les anziges. Se discriminent pour besoin les anziges. Alors, remplace la bonne valeur, négative m, ce square, retirer 4 fois a à l'i2. Pour c, c'est les 8, ça peut besoin de les anziges. Ok, négative m sur square, fait à positive m square, retiré 4 fois 2 fait 8 fois 8 fait 64, les anziges. Fait bien attention, ça c'est une quadratique inégalité. Et qu'une quadratique inégalité, comment nous solve ça? Nous avons besoin de critical values first, nous considérons comme une équation. Nous avons nos critical values, nous avons une critical values, nous avons plus ou moins square ou 64, nous avons des critical values, c'est plus ou moins 8. Et là, next, nous analysons nos graphes. Left-hand side, y est-ce que tout left-hand side est pour un minimum curve? Et que y est-ce que tout right-hand side c'est au x-axis? Et next, nous des critical values qui nous gagnent, c'est négative 8 avec 8. Et dernier step, vous pouvez engager côté less. Ok, less, c'est in between, côté curve, là, less en bas x-axis, c'est de sa région-là. Alors, où answer final, c'est où? Curve en bas x-axis que m est pour in between négative 8 et 8. Ça, c'est vos réponses pour question n. Next question 2. Libère-toi, il y a une curve. Il sait ça dy by dx donne toi. Et question peut-être deux mois équation curve. Là. Équation curve reste sa format y égale function of x. Alors, nous, il y a pour faire dy by dx retourner, faire divine y. Alors, nous pouvons intégrer. Nous pouvons intégrer. Right. À ce que tu peux intégrer, tu as un constant of integration. À cause de ça, un point sur coordinates de curve là, tu es capable de remplacer votre constant of integration. Alors pour une équation de curve, y, nous pouvons intégrer du y by dx with respect to x. Ok, nous intégrer y pour une intégration à ce que du y by dx. Le n sur x retire 3 sur square. Nous allons voir ça x retire 3 sur square là-haut. Et with x retire 3 power négative 2, après plus x, nous pouvons intégrer tout ça with respect to x. Alors, nous intégrons. Nous pouvons y égale, ça quand nous intégrons, nous copions bracket pareil, nous ajoutons n de power, nous divisons par nouveau power, fois dérivative de bracket fait n, plus x quand nous différencions, x, sorry, intégrons, nous pouvons x square over 2, plus c. Ok, nous simplifier, divin y égale, si nous observons un coefficient là, n divisé par moins 5 fait négative n, et bracket là, nous avons en bas, il une power positive, comme ça, c'est la plus x square, plus 2, plus c. À ce de sa équation là, nous manque sa valeur c là, pour autre sa valeur c là, nous besoin d'un point sur coordinates le curve là, et que nous connaissons point là, quand x égale 2, y égale 7, nous remplaçons valeur x et valeur y, ou pour trouver qui c'est pour une 4. Alors, ou answer final, il peut être y is equal to negative 1 over x minus 3 plus half x squared plus sinon 4. Ça, c'est la réponse pour question 2. Next question 3, il peut dire toi qui air is being pumped into a balloon in the shape of a sphere so that its volume is increasing at a constant rate of 50 cm cubed per second. Quand on observe une état, on finit connaître qu'il y a une variable qui nous pose un travail. Alors, il y a time là-dedans, time nous peut dénoter par T, il y a volume, vous trouvez cm cube, nous pouvons dénoter par V. Alors, il peut être qui divise by dt rate of change of volume,
li 50 cm cube per second. Find the rate at which radius. Vous trouvez là, il peut mettre un autre variable de sa question là, radius li r. Right là, et question pédiatoire, find the rate of change of radius. So dr by dt when the radius is 10 cm. Alors pour gagner dr by dt, nous allons faire une chain, nous la sommes. Dr by dt, nous pouvons quitter dr dans le numérateur, dans l'autre fraction là, nous pouvons mettre dt. Là, nous pouvons inclure ça l'autre variable là, c'est v. dv by dt, c'est dv. Alors dr by dt, allez nous observer, nous allons dire pour venir. Dr by dv. Dr by dv, ça nous paye là. Mais dv by dt, ça nous donne une question là, 50. Alors comment nous pouvons gagner dr by dv? Pour ça, nous avons besoin de gagner une équation qui connecte v et r. Qui est l'équation qui connecte V et R? V c'est volume of sphere et R c'est radius. Et nous connaissons volume of a sphere, ce formule est 4 log 3 pi R cube. Si vous observez, 4 log 3 pi c'est le coefficient. Alors dv by dr, vous venez, nous prenons le coefficient là, 4 log 3 pi, nous multipliez par power fois copier R pareil, retire N de power. De l'annexe, vous trouvez qui? Dv by dr, vous venez. 3 coupé, il y a 4 pi r square. Mais ici, nous demandons dr by dv, ça nous fait réciproque, il y a n sur 4 pi r square. Et que nous allons calculer, ou si vous simplifiez, vous trouvez 25, c'est dv by dt, nous avons dr by dt, sorry, dr by dt, ça dr by dt, nous avons 25 sur 2 pi r square. C'est là où on remplace le radius, parce que j'ai déjà où le radius plus 10. Pour remplacer le radius par 10, vous trouvez qui dr by dt, vous pouvez soit vous quittez in terms of pi, vous pouvez n sur 8 pi, ou si vous évaluez les three significant figures, vous gagnez 0.0398, ça c'est la réponse pour question 3. Question 4, chapitre c'est trigonométrie, subtopique trigonométrique curve. Ok, et toi ça le graphe qui te peut trouver là, sur l'équation c'est y is equal to cos of theta, nous analysons. Oui, graph y est-ce que tout cos of theta, il fait soit une oscillation entre 0 à 2 pi, maximum point l'ilo n, minimum point négatif n, et que ce forme est correct, il fait une oscillation, une deuxième oscillation. Ok, ça c'est graph y est-ce que tout cos of theta. Next, j'ai toi, il y a une combination of transformation qui nous fait avec graph y est-ce que tout cos of theta pour gagner sa upper curve. À ce stade, donne-moi l'équation sa upper curve. Là. Right, ok. Avec graph y est-ce que tout cos of theta, qui ben transformation capable de dérouler? D'abord, il est capable de mettre une constante ici. Attends, je vous montre ça. Il est capable de mettre une cos of a theta. Il est capable de mettre une. Attends, je vais dessiner un peu plus bien. Attends, je vais créer un peu plus bien. Attends, y est-ce que tout cos of theta. Alors, qui ben transformation capable de mettre? Il est capable de mettre une petite constante ici. Il est capable de mettre une autre constante ici, plus b. Il est capable de mettre une autre constante ici, disons d. Et négative, si arrivé dans une réflexion. Ça, c'est le sens qui est arrivé là. Allez, nous allons aller n par n. D'abord, négative, quand négative, qui l'effet fait avec le graphe, il reflect en x-axis. En x-axis. Le graphe là, il reflect en x-axis. Alors, ça nous observe ce qui est vraiment le graphe là, il reflect en x-axis. Get ce forme comme il était, mais forme là, il reste pareil. Si tu peux reflect, la forme là, tu peux l'autre manière. Alors, ça nous pas pouvoir considérer négative là, correct. Next, after, nous get endpoint. Allez, cos of a theta. Allez, nous get a. Valeur a là, c'est combien oscillations il peut faire entre 0 à 2 pi. Quand nous observons nos graphes, là, il peut faire une oscillation entre 0 à 2 pi. Ici, il peut faire une oscillation entre 0 à 4 pi. Ça veut dire entre 0 à 2 pi, il peut faire la moitié oscillation. Alors, valeur a, tu te dis qu'il peut faire la moitié. Et une autre technique pour gagner sa réponse, là, comment on connaît. Valeur A, si vous prenez 2 pi, ou soit 360 degrés, ou divise par sa valeur A là, ou gagne ou pi jeune. Ok, ou gagne ou pi jeune. Pi jeune, c'est combien angle il peut prendre pour lui faire un des tout complet? C'est-à-dire depuis 0 poil 4 pi. Il peut prendre 4 pi pour lui faire un oscillation. Alors, nous prenons 2 pi, divise par A, ce pi jeune dit 4 pi, c'est nous cross multiply, 4 pi fois A égale 2 pi, valeur A pour venir, 2 pi divise par 4 pi. Vous trouvez valeur A bizarre une half. Alors nos réponses finales, au moins nous pouvons connaître qui cos là bizarre half devant theta. Ok, next. Négative, nous ne trouvons pas pour vous mettre. Next, nous qu'est-ce que ça valeur dit là? Valeur dit là, il y a deux façons plutôt analyser. Allez, je te suis bien.
Dans le graphe gauche, vous connaissez, on appelle ça principal axis. Ça nous principal axis. Principal axis est situé exactement au milieu là, hein? Exact au milieu. Right là, pour maximum value, pour le minimum value, tu prends au milieu. Là, ça veut dire amplitude. Depuis principal axis pour le maximum point, ou ça depuis principal axis pour le minimum point, sa distance, ça nous dit à nous amplitude. Et amplitude là, c'est n au graphe gauche. Next, nous nouveau graphe sur amplitude comme il était. Si vous regardez bien ce principal axis, vous venez ici. Ça, c'est le principal axis. Depuis le principal axis, par le maximum point, il y a une distance de 2 units. Et depuis le principal axis, par le minimum point, il y a une distance de 2 units. Ça, c'est l'amplitude li 2. C'est-à-dire, ça, graphe là, on finit connaître, nous pouvons mettre une valeur 2 ici. Next, ça, c'est, nous pouvons mettre ici une montre graphe là. Parce que plus B, sa dernière petite transformation là, c'est un vertical translation. Est-ce qu'il est dans là-haut, soit une descente en bas? Oui, il est dans là-haut. Parce que sa graphe là, sa graphe ici là, vous pouvez trouver graphe 2 cos of half theta là, il faut comme ça, une amplitude de 2. Right, ta amplitude là, type de 2 et moins 2. Right, là, ça va être son maximum value, type de 2, graphe là. Mais là, il skip, vous pouvez trouver, il monte dans le 5. Parce que sa graphe 2 cos of half theta là, son maximum value, tu graphe là, tu as besoin de 2. Right, graphe là, tu as besoin de 2. Cette graphe là, tu as trouvé, il monte pas 3 units là-haut. Alors, tu connais qui te pour vous mettre plus 3 ici. Alors, ça, c'est une équation, ça, un peu curve là. OK? Next question 5, chapitre, c'est binomial expansion. Right? Nous avons dx square plus a sur x power 6. Alors, nous pouvons extraire coefficient de x power 6, c'est x power 3. OK? Right là, après, nous avons l'équation, nous pouvons écouter les autres. Là, nous pouvons commencer à répondre à une question là. Alors, n'importe qui expansion nous pouvons faire, du coup, de sa format là, 6, c, un chiffre, fois, premier terme là, les 2x squared, et deuxième terme là, les positives a sur x, ça, les copier pareil là, là, les pour 6 retirer ce chiffre là. OK? Next, ça, c'est qui chiffre? Nous essayons, nous faisons un trial. Si vous mettez n ici, n ici, n ici, qui terme nous pour gagner? X, ça, c'est le power qui peut venir de resulting, right, la terme là qui peut être. Là, on a x square, il pour gagner power, 6 retient n fait 5, et en bas, on a x power n. Mais quand vous savez, il peut venir x power 10, le x power n, il peut venir x power 9, non, vous avez besoin de x power 6, moi. Alors, si je pense, vous mettez 2 qui peut arriver. Right, là, quand vous mettez 2 qui peut arriver, il peut venir x square pour gagner power 6 retirer 2 fait à 4 en bas il faut venir x square elle vient x power 8 le x power 2 oui il faut venir x power 6 mauvais besoin ça terme là right, la mauvais besoin ça terme là ok alors ici qui est pour venir nous évaluer ta terme 6 cd tu remarques il vient 15 fois 2x square power 6 retirer 2 fait 4 fois a sur x power 2. Ok, si nous simplifions, qui peut arriver? Ici, nous pouvons 15 fois 2 power 4 fait à 16, x power 8, fois a square over x power 2. Next, vous pouvez trouver que x power 8 divisé par x power 2, ça peut venir x power 6. Là, tu n'as pas fait 15 fois 16, qui vient 240. Après, il y a a square, après, il y a x power 6. Ok, ça c'est coefficient of x power 6. Next, qui dit pédia toi, qui mauvais besoin, c'est qui x cube aussi. Alors, 6, c'est qui chiffre qui peut donner toi ça? Appenez, nous avons besoin de checker un coup. Ok, a sur x, chiffre là, copier pareil. 6, 6, ça tient ce chiffre là. Next, ça nous sait avec 3, nous avons un coup, est-ce qui 3 pour moi aussi? Là où il peut venir, il peut venir x square power, 6 retient 3, fait à 3. En bas, on a x power 3. Là, il y a une x power 6 sur x power 3. Là, si tu fais la différence, indices, il y a une x power 3. Ça même qui m'avait besoin. Nous évaluer 6 c'est 3. 6 c'est 3 donne-toi 20. Fois 2x square power 6 retire 3 fait à 3. Fois e power 3 over x power 3. Il y a une 20 fois 2 power 3 fait 8x power 6. Fois e power 3 le x power 3. Là, tu es capable d'analyser qui x power 6 divisé par x power 3, il y a une x cube. La 20 fois 8 fait 160 et cube x power 3. À ça, il dit à toi qui sa décoefficient qui nous gagne là, 240 et square, x 160 et cube, c'est besoin equal. Ok, c'est besoin equal. Alors, partie A nous répond, nous equate tous les deux, 240 et power 2,
est bien égal à 160 et cube. Donc, capable de diviser comme ça. Et cube divise par et square égale 240 divise par 160. Ok, ça c'est une technique. Right, là, là pour finir, trouver et cube p divise par et square, et pour finir, et. Mais d'habitude, pour solve, là, il y a une cubic equation. Si vous voulez technique de l'autre manière, vous pouvez prendre 240 et square, retirer 160 et cube, ça peut égaler 0, ou factorize et square, et pour finir, 240, retirer 160 à égal 0. Là, vous faites a égale 0 avec a square, vous gagnez a égale 0. Avec le là, quand vous mettez ça égale 0, vous trouvez a pour venir n.5. Mais ici, nous avons demandé non-zero constant a. Alors, ou answer, vous pouvez prendre 10 a égale n.5. Ça, c'est non-zero. Ok, ça, c'est partie A. Partie B, libérateur de sa expansion là, nous pouvons prendre votre coefficient de x power 6. Ok, première bracket là, puis nous pour expandre. Puis une power qui est plus grand que n, power là, n. Mais deuxième bracket là, nous capable d'expandre. Et quand nous expandons, nous devons finir notre DTM de partie A. Ok, qui ça DTM là, nous finir notre 240 et power 2 x power 6. Plus, nous finir notre 160 et power 3 x power 3. Et là, encore un DTM. Mais nous avons un coup si ça DTM là suffisant pour répondre à sa partie là. Ok, pour un x power 6, vous pouvez prendre n fois sa TM là, et négatif x cube fois avec sa TM là, vous pensez que c'est suffisant. N fois 240 et square x power 6, 240 et square x power 6, et négatif x cube, c'est pour fois avec 160 et cube x power 3, vous avez négatif 160 et cube x power 6. Ok, de là où vous avez besoin, 240, si vous retirez 160, vous faites 80, et power non, sorry. Il n'y a pas de like term ça parce qu'il dit e power 2 et dans ici, ici dans e power 3. Alors, qu'il nous a fait, nous a factorisé x power 6. Si nous factorisons x power 6, c'est 240 e power 2, retirer 160 e power 3. Alors, coefficient of x power 6 est égal à 240 e square minus 160 e power 3. Si vous trouvez, si vous observez structurer cette question-là, il ne donne pas une information dans le premier paragraphe. Ok, quand x power 6 et x power 3 ben coefficient a égal, nous gagnons une valeur a. Les last, nous avons servi sa valeur a là en bas parce que sa première phrase a dit pour tous les deux parties. Et depuis sa première phrase a, partie a, nous gagnons une valeur a qui nous gagne n.5. Alors, quand on remplace la valeur a par n.5 là-dedans, et là, on peut trouver qui, quand on remplace le coefficient of x power 6 ben 0. Ça, c'est la réponse pour partie B. Question 6, libérateur, the equation of a curve is given by, ok, ça c'est equation curve, y is equal to 2 plus positive square root de 25 retiré x square, et ça c'est power half. Ok, ça non c'est power half. Et next, let's find the coordinates of the point on the curve where gradient is 4 sur 3. Alors, comment gagne gradient, c'est du y by dx, nous différencier, constant que différencier vient 0. Ok, deuxième TM là, quand on peut différencier, tu veux n par half et half, 25 retirer x square, retirer n au power de négatif half, ok, fois dérivative de bracket à négatif 2x, alors vous trouvez qu'il dit y by dx pour n, half fois négatif 2x fait négatif x, on va voir ça power négatif half là, on va lui power half, ça c'est square root de 25 retirer x square. Ok, ça c'est dy by dx. Next, in jetter qui dy by dx, gradient a pour besoin 4 ou 3, nous écrit négatif x sur positive square root de 25 retirer x square. Ça l'est pour égal 4 sur 3. Next, qui nous pour besoin faire un cross multiply, 24 positive square root de 25 retirer x square égale 3 fois négatif x fait négatif 3x. La positive square root de 25 retirer x square pour n. Négatif 3x sur 4. Et la next, c'est que vous pouvez faire, vous pouvez envoyer square root de l'autre côté, x square root, quand vous de l'autre côté, devient square. Alors, 25 retire x square égale négative 3x sur 4, ce square. Next, 25 retire x square, vous venez, là, devient positive 9x square, en bas, devient 16. Ok, là, tout multiplié par tout par 16. Pour mettre là, vous venez 400, retire 16x square égale 9x square. 400 pour 9x square plus 16x square, 400 pour 25x square. Là, vous trouvez que x square pour 400 divisé par 25 fait 16.
là, x souven plus ou minus square root de 16. Alors, on gagne des valeurs x, x souven positif 4, avec x souven négatif 4. Next, ça c'était, tu l'as dit, qu'on peut remplacer pour autre y, ou qu'on peut remplacer dans la main equation pour autre y, parce que c'est des coordinates. Right, tu peux trouver que dans both cases, tu peux gagner y égale 5, ça n'a si y égale 5. Alors, tu peux gagner des coordinates, des points, 4, 5, et négatif 4, 5. Ok, mais quand on lit la question, on doit faire les coordinates sur le point on the curve, un seul point qu'il peut demander. Alors, n parmi ça, là, nous avons besoin de reject. Lesquels qui nous pour reject, c'est pour remarquer qui premier là nous pour besoin reject. Qui fait premier là nous pour besoin reject? Parce que quand on remplace valeur x là, remplace tous les deux valeurs x de, ou dy by dx, vous trouvez qui quand on remplace x par quand on remplace x par 4, vous trouvez qui gradient d'abord une négative 4 sur 3. Et gradient n'est pas négatif 4 sur 3, il est besoin 4 sur 3. Ok, mais si on remplace dy by dx, si on remplace par négative 4, là vous trouvez réponse à vous venez 4 sur 3. Alors, sa première là, nous pouvons reject. Alors, où on est answer pour ça? Là? Answer, coordinate, ça, pour négatif 4 et 5. Ça, c'est réponse pour question 6. Question 7, chapitre, c'est trigonométrie. Partie 1 and proof of identities. Nous organisons. Left hand side, un peu compliqué. Right hand side. Ok, nous commençons par left hand side. Left hand side, les sine of theta over 1 minus sine of theta. Retirer sine of theta over 1 plus sine of theta. Right. Alors, pour simplifier, nous allons combiner ça des fractions. C'est un peu une product, ça des denominators. Là. Next, là où vous avez sine theta fois avec n plus sine of theta. Next, retirer sine of theta qui fois avec n retirer sine of theta. Ok, next, qui peut arriver, si vous expandez là où vous avez sine of theta. Plus sine square of theta minus sine of theta plus sine square of theta. Ok, et en bas, on peut appliquer la difference of two square, il peut venir 1 square retiré sine square of theta. Là où vous trouvez qui ça dit TM là pour aller sine theta y aller. Pour être 2 sine square of theta là où en bas, il peut venir 1 minus sine square of theta. Next, vous connaissez qui 1 minus sine square of theta, c'est une identité divine cos square of theta. Et next, sine square over cos square, ça divine tan square, veut dire réponse bien 2 tan square of theta. Et ça, c'est le right hand side qui est utilisé en chute. Next, partie B, hence, vous avez solve sa équation là. Vous trouvez qui ça à gauche là, nous finissons prouve qui divine 2 tan square of theta. Ça divine égale 8. Alors, nous solve sa équation là. Tan square of theta pour 8 divisé par 2 fait 4. Tan of theta pour plus ou minus square root 4. Tan of theta pour plus ou minus 2. Alors, next step, nous pouvons en route nous qui angle pour tan inverse de positif 2. Ok, pas oublier calculateur sans degré si vous observez le domaine. La tan inverse of 2, pas oublier mettre calculateur sans degré. Réponse pour 63,4 degrés. Ça devient 63,4 degrés. Ok, ça c'est un triangle. Next, ça c'est pour vous checker combien de quadrants. Donc, 4 quadrants. Vous trouvez qui tant ni beau, positif et négatif, vous pouvez choisir tous les 4 quadrants. Mais là, à cause du domaine, il y a un problème de valeur entre 0 à 180, nous pouvons accepter ce premier et deuxième quadrant. Alors, ou theta pour égal le premier quadrant, vous supposez prendre triangle. Deuxième quadrant, 180 degrés, retirer ou triangle. Ou des réponses theta pour venir 63,4 degrés. Deuxième lavine, 116,6 degrés. Ça, c'est réponse pour question 7 sur partie B.